Je m'appelle Jacques et je suis, par mon métier, passionné par le textile parce que pendant plus de 40 ans, j'ai couru les usines pour les musées communaux de la ville de Verviers. Ben, l'industrie de la laine s'est installée ici à Verviers, principalement parce qu'elle avait une eau qui convenait parfaitement pour laver la laine. On est justement ici derrière, moi, Léviathan qui lavait la laine. Mais c'est tout le départ du travail de la laine, c'est d'avoir une laine propre qui doit être bien lavée, bien séchée, et qui peut ensuite être filée, cardée et en faire du drap. L'ouvrier verviétois vivait très simplement dans ce qu'on appelait des quartiers, donc c'était très difficile d'avoir une vie sociale, familiale, comme on vit maintenant, quoi. Donc on n'était certainement pas du tout dans le même fonctionnement de vie, quoi. Donc l'ouvrier avait une vie très simple. Et alors bon, ils avaient leur petite récompense, ils avaient toujours la tarte au riz qui pouvait s'offrir parce que c'était quelque chose qui était relativement simple à faire et pas trop coûteux, quoi. Je m'appelle Grégory Dellet, je suis boulanger-pâtissier de la région verviétoise. Mon entreprise, la boulangerie Georges, existe depuis la 4e génération. J'ai commencé à travailler quand j'étais tout petit, à l'âge d'une dizaine d'années, avec mon grand-père qui a commencé à m'expliquer les rudiments du métier, comment fabriquer la bonne tarte au riz. On cuisine plusieurs dizaines de tartes au riz par semaine et on les cuit journalièrement. À chaque réunion de famille, entre amis et tout ça, il y a toujours une bonne tarte au riz. Et on l'accompagne toujours de bonnes tasses de café sur le coup de 16 heures. Et ça nous rappelle tous les beaux souvenirs de notre jeunesse passée avec toute la famille.